Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. On est dimanche 12 septembre. Il est, je crois, 10h30. Ouais, c'est ça, 10h15. On avait mis le réveil à 9h ce matin. Au final, Mathéo s'est réveillé à 8h30. Donc voilà, on a décidé de se motiver un petit peu aujourd'hui parce qu'on a deux, trois petits trucs qu'on aimerait faire. Donc là, entre autres, ce matin, on va aller à Montsartou parce qu'il y a le forum, vous savez, en septembre, les forums des associations. Donc du coup, on va aller voir. On va aller voir. Parce qu'on aimerait bien trouver quelque chose pour Victoria, mais le mercredi après-midi. Et voilà, danse ou gym, mais souvent c'est le mercredi matin ou samedi matin. Donc voilà, on essaye un petit peu de le faire dans toutes les villes pour voir s'il y a. Donc on va faire ça, et ensuite on va aller chercher des fruits. Parce que Victoria maintenant, avec sa classe, du coup avant il fournissait le goûter. Et maintenant du coup faut le fournir, donc compote, fruits, etc. Donc du coup elle va aller choisir ses petits fruits pour la semaine d'école. Donc voilà, c'est parti. Bah... Qu'est-ce que vous faites? T'as ton papa? Ça va, ma Ninette? Ah! Qu'est-ce que tu regardes? C'est Barbie? Petit déjeuner? Aujourd'hui, c'est chocolat, jus d'orange et céréales. Ça va, les enfants? Alors Ninette, ça s'est bien passé ta rentrée? Oui. Comment elle s'appelle ta maîtresse? Éclair. Claire. Claire. Et la Tsem? Notre pays, c'est là? France. T'es en quelle classe maintenant? Un moyen. Oh, t'es chez les moyens. Pas Petit certifié. tour C'est pas de certifié. poney. T'as pas peur du tout? Ninette, du coup, comme elle a fait ses petits tours de poney, elle a eu le droit à son petit diplôme. Tu me montres ton diplôme? Waouh! Fête du poney Victoria qui est montée sur Dallas. C'est trop la classe, ça. Maintenant, t'as plus peur? On pourra aller faire des balades à poney dans la forêt? Ça va être trop cool, ça. Bon, Mathéo, il est un peu encore trop petit. Faudra attendre un petit peu. Bon, du coup, on est à la boutique du meilleur ami à Ludo. On va aller acheter des petits fruits. Hein, Ninette? Mais Ninette, elle veut prendre un caddie, mais on n'a pas besoin d'un gros caddie, Ninette. T'as envie, toi? On va prendre un petit panier, c'est mieux? Allez, c'est parti. Et tu peux en prendre deux si tu veux. Kiki, il est 13h, ça y est, on vient de rentrer. Du coup, on va manger, après on va repartir. Donc là, Ludo il est en train de donner le petit pot à Matteo. Et Victoria, je vais lui faire un steak avec. Voilà, on a acheté des petites tomates tout à l'heure. Donc voilà, tomates mozza, steak. Voilà, on va grignoter 2-3 petits trucs, du saucisson, tout ça. Et voilà, j'ai acheté du coup un petit ananas. Petit melon, des bananes, du raisin, pêche, poire, pomme et pamplemousse. Ça, je lui ai donné un pamplemousse. Voilà! Bon, les gars, là, il est 14h, ça y est, on a mangé. On s'est tous rechangés. Du coup, moi, j'ai mis une robe longue, simple, du plus simple, parce qu'il fait quand même chaud. Je crois qu'il fait 27 aujourd'hui, donc il fait quand même chaud, on s'est tous changés, on s'est tous lavé les dents et tout le tralala. Du coup, on va partir du coup à Cannes, au Palais des Festivals. Il y a le truc des associations, donc on va aller faire un tour. Et après, on laisse tomber si je trouve pas pour le mercredi après-midi de la danse ou de la gym. J'abandonne pour cette année, on verra l'année prochaine. Voilà, on va aller avec des amis aussi qui ont eu un enfant. Donc comme ça, au moins Victoria, elle a sa copine. Et après, en même temps, je crois qu'il y a la fête de la marine, truc comme ça, dans Cannes. Donc du coup, on va aller voir ça.
Voilà. Et si on a le temps, on ira se baigner. On peut pas prendre Luki du coup parce que dans le palais, je pense que c'est interdit. Donc lui, niveau grosse promenade aujourd'hui, ça va être compliqué. Donc ça sera plutôt demain. Donc voilà. Là, ils sont morts. En plus, Ludo, il est en train de les emmerder. Donc je pense que s'ils s'endorment dans la voiture, bon, on en a pour 10 minutes à descendre en voiture, même pas 5 minutes. On va les laisser un petit peu dormir dans la voiture, histoire qu'ils récupèrent au moins 20 minutes pour être en forme. Enfin, surtout Victoria, parce que Matteo, encore, lui, peut dormir dans la poussette, mais au moins que Victoria puisse être en forme et pas trop grognon, parce qu'elle s'est quand même réveillée tôt. Donc voilà, c'est parti. C'est pas bien, ces trucs. Elle va tirer la langue. Hein. C'est pas bien. Et puis tu l'as embêté. Ah, mais ça, c'est vachement. Mode Ninette. C'était pas mon. Waouh. Ah bah oui. T'es trop belle, mon petit cœur. Il va dormir ici. Avec la bière. Se retrouve, il est 7h moins le quart, du coup on est rentré il y a une demi-heure. J'ai tout fermé pour pas avoir le soleil du soir. Là la qualité du téléphone, je l'ai cassé pendant les vacances et je trouve la qualité de plus en plus nulle, donc je pense que je vais investir dans une caméra bientôt, peut-être pour mon anniversaire. Voilà, ce sera mon petit cadeau pour que vous ayez une meilleure qualité aussi d'image, parce que là franchement c'est horrible. Voilà, du coup on est rentré. Au final le salon de comment ça s'appelle, le salon de du bateau là, c'était payant, c'était 18 euros, donc franchement on s'est dit non 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 merci hein, surtout que moi personnellement je m'en fichais un peu. Du coup on a été au palais des festivals pour le truc des associations, on n'a rien trouvé. Voilà, il y avait de la danse, des trucs comme ça, mais toujours pareil le mercredi matin et tout, donc je laisse tomber, c'est pas grave. On a retrouvé du coup une copine aussi à Victoria là-bas. Donc du coup on a vu des petits spectacles et tout, moi j'ai pas filmé, mais voilà, on a vu des combats, des trucs comme ça. Du coup elle s'est fait maquiller, il y avait le magicien, les petits trucs de ballon aussi, elle a eu un petit chien. Et voilà, on a été boire un coup avec des amis, manger une glace, faire un petit tour de manège. Et voilà, Mathéo du coup il s'est pas endormi du tout. Il est juste là, il a juste dormi du parking à ici, donc genre 5 minutes, le temps de rentrer. Et du coup les deux sont mortifiés hein, depuis ce matin 8h30. Donc là c'est pour ça qu'on n'a pas traîné, là on les a déjà lavés tous les deux. Là il a le biberon de 6h qu'on lui a pas donné. Et voilà, je vais vite faire à manger. Ce soir ça va être simple, comme on vient de manger des glaces. Hein. Ça va être salade, la petite pizza du dimanche soir. Avec dans la salade, je vais mettre du magret de canard. Je vais peut-être mettre 2-3 petites choses. Et peut-être pour Victoria, je vais lui faire ça. Voilà. Des petits Deli Pocket Burger prêts en 2 minutes. C'est parfait pour le dimanche soir. Voilà, pour être tranquille, je vais essayer de les faire dormir à 20h30 grand max. Voilà, pour être en forme demain, parce que c'est vrai qu'ils ont encore du mal à prendre le rythme de l'école, hein, tous, hein, de toute façon. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous, la rentrée s'est bien passée. Nous, du coup, ça a été, voilà, bah, toujours un peu difficile niveau sommeil et tout. Surtout que Victoria, du coup, comme elle est en moyenne section maintenant, ils ne font plus de sieste. Donc du coup, les journées sont un petit peu longues, mais bon, c'est le temps de trouver un petit peu l'adaptation. Et voilà, sinon tout va bien. Du coup elle s'est retrouvée dans une classe où ils sont 6 de l'année dernière et ils sont qu'avec des grandes sections. Donc du coup c'est les petits, enfin les petites moyennes sections et les grands. Du coup elle qui l'année dernière c'était la plus grande de toute sa classe, bah là du coup c'est la plus petite, enfin avec les autres moyens quoi, du coup parce que les grands sont énormes à côté. Et voilà, donc c'est pas si mal parce qu'au final comme ils sont un petit groupe de moyennes sections, ça peut être plutôt sympa pour elle et plus avantageux. Et voilà, surtout qu'elle est avec ses deux meilleures copines et son amoureux. Donc c'est super. Ils n'ont pas trop mélangé. Ils ont fait quand même par ordre
par affinité et tout, donc c'est plutôt cool. La maîtresse, pareil, ils ont changé, enfin elle a changé, et super gentil, vraiment super gentil. Pour l'instant, tout va bien, je préfère beaucoup. En plus, c'est plus la même entrée et tout, donc c'est super. Il y a toujours l'application, donc du coup, elle m'envoie des photos tous les jours. J'ai le programme chaque semaine et tout de ce qu'elle a fait, tous les travaux, elle me les envoie en photo, donc il y a vraiment un bon suivi. Donc sans rentrer dans la classe et tout, on est au courant quand même un peu de tout. Et puis Victoria, elle commence petit à petit à me raconter aussi ce qu'elle fait. Donc voilà, bref. Donc je vais m'y mettre. Voilà, on va manger. Et puis après, j'irai à la douche. Et voilà, donc je vais peut-être vous retrouver après. Je vous tiens au courant. Voilà, bref. Donc là, je vais faire à manger. Ouais, j'ai déjà allumé mon four. Et voilà, on voulait se baigner, mais du coup, on n'a pas eu le temps. Il était déjà 5h30, donc tant pis, on va essayer le week-end prochain. On a envie de profiter parce que, à mon avis, là, ça va commencer à se dégrader. Bon, là, il faisait 27 encore quand on est rentré là. Mais il fait encore bon, on a des bonnes températures, mais là, ça va vite se dégrader. Donc, on va essayer le week-end prochain et puis après, ça sera fini pour la saison, je pense. Donc voilà, donc je vais faire à manger, je vais faire ma douche et puis on se retrouve après. T'appelles qui? C'est mamie, papy. Ah d'accord. Tu leur passeras le bonjour? Oui. Le bonjour à Mathieu, tata. Qu'est-ce que t'as toi? Allô? Oui. Qu'est-ce que tu racontes? Tap. Pas. Wow. Tap. Wow. Wow. Tu dis allô? 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 C'est mamie? C'est mamie? Ça y est, c'est la fin de la journée. Victoria, elle va aller au dodo. Ça y est, on a lu les histoires. Tout ça, elle était pas fatiguée. Donc je lui ai dit, comme Mathéo, il est en train encore de prendre le biberon. Je lui ai dit, bon, restez encore 5 minutes. Voilà, 21h, c'est le grand max. Donc voilà. Moi j'ai fait ma douche, tout le tralala, donc je vais regarder ce qu'il y a à la télé ce soir, on va aller regarder un petit film tranquillement. Ludo il va aller au dodo parce que demain il se lève tôt et voilà, la semaine reprend. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu ce petit vlog. Je vais essayer de m'y remettre, de faire un peu plus de vidéos, pas seulement des vlogs, mais de faire un peu plus de choses, de sortir au moins des vidéos une à deux fois par semaine, je vais essayer. J'ai pensé à faire aussi une semaine dans mon assiette. Je pense que c'est quelque chose qui peut vous plaire étant donné que les retours de course vous plaisent beaucoup. D'ailleurs, il y a la dernière vidéo, le dernier retour de course qui vous a vraiment beaucoup plu puisqu'on a dépassé les 1000 vues. Donc, incroyable. Donc, je suis super contente sachant que j'ai 100, vous êtes 100, 150, même 150 je crois sur YouTube. Donc, c'est vraiment des gens de l'extérieur. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous et voilà, donc non ça fait plaisir, voilà, de dépasser les 1000 vues, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours, hein. Donc voilà, et sur ce, voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine, un bon lundi, je vais essayer de vous la monter soit ce soir soit demain matin, voilà, pour pas de laisser trop de temps entre le moment où je filme et le moment où je la sors. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire qu'est-ce que vous aimeriez voir plus, voir moins en vlog pour essayer de m'améliorer. Comme je vous disais, je vais essayer de changer, enfin de mettre une caméra, ça sera beaucoup plus sympa au niveau de la luminosité, de la qualité, etc. Et voilà, bref, je vous laisse parce que sinon je vais commencer à parler, blablater, donc voilà. Des bisous!